Que la puissance de ton esprit se manifeste. Que la puissance de ton esprit se manifeste. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Viens et manifeste. Priez, priez. Priez. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. Nom de Jésus. La puissance de Dieu. Continuez de prier. Continuez. Colle la puissance de Dieu. Colle. Lâchez sa vie. Nom de Jésus. Colle. Je libère toute ta destinée. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libère ta destinée. Colle. La puissance de Dieu. Oui, la puissance de Jésus te libère. Oui, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu la libères. C'est un ordre. Oh là, Baba. Continue de prier. On continue de prier. Priez. On continue de prier au nom de Jésus, Je condamne vos œuvres. Au nom puissant de Jésus. Vous levez là ici. De temps en temps, le groupe musical. Hein. Vous la lâchez. Vous allez la libérer au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. C'est un ordre. Oui, un ordre. Libère-la. Libère-la. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Feu. Le feu. Comment aller? Le feu. Lâche-la. Libère-la au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Le feu, la puissance de Dieu, détruit ton pouvoir. Lâche-la. Lâche son âme. Lâche son âme. Tu m'entends? Libère-la. Tu vas partir et libérer son âme. Lâche-la. Au nom de Jésus. Amen. Libère-la. Libère-la. Oui, lâche-la. 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 Lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu pars. Tu pars. Maintenant. Au nom de Jésus. Tu pars. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Allez. Allez. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. Allez. Tu as été programmé par la sorcellerie. Hein? Tu viens d'où? Le mois d'octobre. C'est à toi de parler, monsieur. Voilà, je suis en train de vous dire les choses. Les deux viennent d'où? Il faut qu'on les aide, ils ont un esprit de la sorcellerie. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Soulevez-le. Soulevez-la plutôt. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi. Tu la libères. Tu m'entends? Tu la libères, tu m'attends? Tu libères son âme. Tu m'attends? Tu la libères. C'est un homme. Tu quittes sa vie. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Oui, va-t'en. Fais aller sur toi. Allez, va-t'en. Va-t'en. Le feu. Va. Va-t'en. Va-t'en. Libère-la. 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 Libère. Allez, le feu, consume ta soeur dans ce corps, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, libère-la, libère-la, tu la libères, au nom de Jésus, tu la libères, dans le nom de Jésus, tu la libères, au nom de Jésus, libère-la, tu libères son âme, va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en. Libère son âme. Libère son âme. Libère son âme. Lâche-la. 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 Va. 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 Va-t'en. Feu. 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 Le feu. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez. Lâche-la. Lâche-la. Tu la libères. Tu la libères. Va-t'en. 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 Oui, va-t'en. Va-t'en. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Tout. Tu as caché quoi dans sa vie? Tout, c'est-à-dire. Tout, c'est-à-dire. Tu as gâté quoi et quoi? Tu as gâté quoi? Vas-y, monsieur. Lâche-la. Tu vas partir. Libère-la maintenant. Libère-la. 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 Tu mets son argent. Tu mets son argent. Pourquoi? Qui es-tu? Son mari. Ah. Son mari. Ah, vous avez entendu, hein? Comment il t'appelle? Léonard. Il est son argent.
Et pourquoi? Sa maison. Sa maison, son argent. Ses enfants. Ses enfants. Donc tu as tout gâché. Comment tu as fait? Comment? Comment? Lâche-la. 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 Lâche ton âme. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Feu! Feu! Aïe! Feu! 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 La puissance de Dieu te libère maintenant. Oui, la puissance. Va-t'en. Va. 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 Tu quittes définitivement sa vie. Pas! Feu! Aïe! La puissance de Dieu. Lâche ton âme. Lâche ton âme. Va-t'en. Va. 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 Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Voilà. Va. Va, va, allez, va, et tu lui restitues tout ce que tu as volé, son argent, sa chance, toute sa bénédiction. Oui, restitue tout ce que tu as volé, sa chance, au nom de Jésus. Oui, voilà, va-t'en, va, voilà, voilà, va-t'en, 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 va, va. Sauvez le Dieu, sinon. Va-t'en. Va. Je suis parti. Voilà, va. Va. Va, acclamer Jésus. Soulève-la, soulève-la. Agua Gugnon, Agua Gugnon, Jésus a guéri moi. Agua Gugnon, Jésus a guéri moi. Agua Gugnon, Jésus a guéri moi.
on peut acclamer Jésus. Plus fort, plus fort. Plus fort. Brigade anti-sorcier, nous réglons tous les problèmes de sorcellerie. Nous délivrons même les sorciers de cette pratique de la sorcellerie et nous libérons aussi les victimes. Nous venons de reprendre, moi je viens de reprendre les activités. Demain, nous allons commencer par les entretiens. Demain, c'est samedi, pratiquement la matinée. Et nous allons poursuivre avec, n'est-ce pas, un enseignement et poursuivre en même temps avec la délivrance. Donc, ceux qui sont arrivés aujourd'hui, demain, à partir des 10h, sont les réceptions. Amen. Voilà, je vous donne le programme ici. Vous m'excusez, quand vous venez ici, vous devez vous aligner à nos programmes. On dit amen, oui, ici, c'est amen. Vous devez aligner à nos programmes. Demain, dans la matinée, on aura l'occasion de vous régler des trucs à fond. Parce qu'ici, nous réglons les sujets à fond. Voilà, on aura l'occasion de régler. Ce n'est pas seulement vous écouter, mais prier pour vous pour votre délivrance. Amen. Pour que ça soit réglé une fois pour de bon. Amen. Ah, il faut que le prophète m'écoute. Mais je t'écoute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que je t'aide. Parce que la situation du soir des sorcelleries, laissez-moi vous dire, si ça n'a pas été réglé, ce que vous avez négligé aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Ça va vous rattraper demain et ça serait terrible. Parce que cela, on ne les loue pas. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Moi, j'ai ce don-là. Donc, je peux détecter qui est dedans, qui n'est pas dedans. Amen. J'ai ce don-là. Ça, c'est un don. Ce n'est pas le visage de quelqu'un qui me dit. C'est quelque chose qui est dans ma tête. C'est un don. C'est comme un détecteur. Quand ça se rapproche des images, j'ai dit des sorciers, monte et descend. Il faut nier, j'essaye des sorciers. Je n'accuse pas quelqu'un, mais j'aide des gens à quitter la sorcellerie. Comme je disais, la sorcellerie c'est une maladie. Voilà, on peut être débarrassé de la sorcellerie. Tu t'es délivré de la sorcellerie, gloire à Dieu. Mais quand tu n'es pas délivré, tu constitues un danger pour toi-même. Parce que le jour où tu ne vas pas donner quelqu'un, c'est toi qui vas manger dans la confrérie. Tu constitues un danger pour la famille et pour la société. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous venez ici, vous êtes dans un centre de prière, alignez-vous au règlement du centre. C'est-à-dire, ayez un esprit de prière. Comme hier, je suis venu ici, hier tard dans la nuit, j'ai vu quelqu'un, pendant qu'il s'est rendu dormir, il jouait de la musique. Il mettait le volume, il jouait de la musique. Je suis obligé de chasser d'ici. Non, il faut savoir pourquoi tu es venu ici. Les conditions sont difficiles d'ailleurs. Pour dormir, c'est difficile, c'est bizarre. Mais vous êtes là pour quelque chose, on appelle un centre de retraite. Vous venez vous retirer. Donc, si vous venez ici de grâce, comportez-vous bien. Si vous ne rentrez pas dans l'esprit de prier, on sera obligé, dans l'obligation, de vous mettre dehors. Ça, je vous dis, pour ceux qui sont éternés, si les 4 heures du matin, quand vous rêvez de venir prier, que vous ne priez pas, c'est que vous avez notre esprit. Pendant que les gens prient, que toi tu ne pries pas, c'est que l'esprit qui t'anime, ce n'est pas la même chose que le centre. Donc, oubliez les parties. Parce que ici, c'est un centre de prière. Donc, quand vous venez ici, ce n'est pas pour venir dormir. Hein. Ça, je suis désolé. Voilà, ici, c'est prier. Quand vous finissez, vous allez.
Parce qu'il dit aux gens, il y a des gens qui viennent recevoir le miracle. Et puis toi, tu viens, tu n'as pas de miracle. Ça dépend de comment tu as fait. Si tu viens, tu passes tout ton temps en train de critiquer ou en babader ou tu occupes d'autres choses. On est venu être délivré. Et tu ne vas jamais être délivré. On m'a bien saisi. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Souvent, j'aime faire les visites éclair dans la nuit. Voilà, parce que quand vous êtes ici, je suis le premier. C'est vrai que Dieu est là, mais je suis le tuteur. Voilà, donc vous êtes déjà sous ma responsabilité. Voilà, donc vraiment, ayez l'esprit, un espoir de retrait, un esprit de consécration. Vous êtes venu chercher Dieu. Et puis, j'ai même, je vous souviens quelque chose. Quand on dit quelqu'un est sorcier, c'est pas à vous de dire il n'est pas ou pas. Parce que vous n'avez pas le détecteur. Amen. Voilà, ça, je vais vous le dire. Et puis, vous ne savez pas. Peut-être que si vous êtes associé à lui, ok. Mais chacun, quand chacun va dormir, chacun sait où il s'en va. Voilà. Il faut des détecteurs pour détecter. Allez, quand on dort là, il y a des gens qui sortent de leur corps. Amen. Amen. Donc tout à l'heure, pour ceux qui doivent faire le bain, tel que la maman là, elle doit faire le bain. Et ce que je viens de délivrer tout à l'heure, le frère qui est quitté au Canada là, il doit faire son bain. Ceux qui doivent faire leur bain, qui n'ont pas encore fait le troisième bain, vous faites tout à l'heure le bain. Allez-y dehors, je m'occupe de ça tout à l'heure. Amen. Ceux qui n'ont pas encore pris, parce qu'ici, nous misons beaucoup sur l'onction d'huile. C'est expliqué dans Jacques, hein. C'est quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loyant d'huile. On prédit très bien, ce n'est plus une imposition des mains, il y a l'huile dedans. Donc en matière de sorcellerie, tout ça, les sorciers détruisent votre aura, c'est-à-dire votre champ, c'est qui doit briller, votre étoile. Et c'est une action qu'on appelle bain, c'est-à-dire, de toute façon, le baptême ne saut pas, mais c'est un acte prophétique. Et que l'église exige à chaque croyant, c'est comme ça aussi, cette action-là imposée à tout le monde. Parce que quand tu viens dans le Seigneur, tu ne viens pas délivrer, tu viens posséder. Les liens t'accompagnent dans Jésus. Tous te accompagnent dans Jésus. Or, ils éteignent ton étoile. Il y a des gens même qui ont délestage spirituel. Ils s'allument, s'éteignent. De toute façon, la CIE éteint nos courants, ils allument là. Délestage. Tantôt, ça allume. Or, ce bain-là vient, n'est-ce pas, appuyer, n'est-ce pas, une action de restauration. C'est-à-dire, ça purifie. Si on avait mis caca de sorcellerie sur toi, au moins, t'avais un noisy. Lui, il purifie tout ça. Voici l'action que joue l'onction d'huile dans la vie des gens. Vous savez qu'au temps de Jésus-Christ, les gens avaient l'onction d'huile. Amen. Amen. Donc ici, nous on impose ça parce que c'est un réma, c'est une révélation qu'on a reçue. Si ailleurs chez toi on ne fait pas ça, ça c'est chez toi. Vous avez chaque homme de Dieu a un réma, c'est-à-dire une révélation que Dieu lui donne pour mener son ministère. C'est la révélation que Dieu me l'a donnée. Le jour où j'ai vu Jésus dans mon rêve, j'ai vu Jésus, c'est lui qui l'a versé sur moi. Je vous informe. Le jour où j'ai vu Jésus, quand j'ai vu Jésus là, j'ai lui, mon drap était rempli de Jésus. Lui-même m'a consacré Jésus lui-même. Amen. Voilà. Donc j'ai connu l'importance. C'est là que j'ai été guéri de mes poumons infectés. Donc je sais ce qui est dans l'onction d'huile. Amen. Amen. Je sais c'est ce qui est dans l'onction d'huile. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça à Paris. Comme hier, je causais avec une soeur sur le Skype. Elle perdait le sang. Le jour où elle a fait son bain, le sang s'est arrêté. Amen. 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 Donc que Dieu bénisse. Il passe à tout à l'heure, nous allons faire le bain. Mais je vous informe que quand quelqu'un est sorti, il prend ça, c'est gara pour lui. On a vécu ça ici. Il y a une fille qui a pris ça, elle a eu des problèmes. Oui. Ça la foudrait pendant 2 mois. Elle est née bête. Il y a un monsieur qui est venu jouer ça ici. Bon, lui, comme il est envoyé par la sorcellerie de Lakota, il a pris ça et puis il a dépendu pour Zaroko. Puis il a commencé à faire des incantations. Il est venu fou. On l'a envoyé ici, il est mort après. Ah, vous avez vu la vidéo, non? Mais il va mourir. Quelqu'un défie Dieu. Moi, j'ai prié pour lui. Là. Dieu n'a pas le pardonné. Je vous demande. Il est venu défier Dieu. Et moi, il a dit, Seigneur, il faut le pardonner. Moi. Quelqu'un Dieu a frappé. Et puis moi, il est venu séparer par là. Et puis vous êtes étonné qu'il soit mort. Il ne voyait pas le type, et puis il vient le défier. Ce n'est pas Crasso, c'est Dieu qui l'a défié. Amen. Donc Dieu l'a frappé. Le plus fort a gagné. Amen. Toi, tu viens défier Dieu pour dire, tu as gâté lui. Il a pris 12 bouteilles, il allait boire. C'est que l'on a vécu. Attends, c'est que l'on a vécu ici. Vous voyez cet amusement. Si tu n'es pas appelé, tu as fui un matin. Souvent, même les fêtes, on ne te peut même fêter devant la porte. Oui, les gens osent. Le diable aime bien oser. Mais voici. Non, je sens que j'ai cru. Parce que je suis à Divo là. Les gens sont à Abidjan, ils sont à France. Moi, je suis à Divo, je sais pourquoi je suis ici. Amen. Donc, sorcellerie là, ça ne me moyenne pas parce que j'ai Jésus. Amen. Pas parce que je suis Crasso, non. Parce que Crasso ne peut pas délivrer quelqu'un. Parce que j'ai Jésus. Amen. Et bien, je suis convaincu que c'est là où Dieu veut que je sois, ici. Amen. Voilà. C'est pour ça que les sorciers là, avec la grâce de Dieu, ils ne peuvent rien contre moi. Et c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas Crasso. Amen. C'est la grâce de Dieu. Donc, on a vécu trop de choses.
Le monsieur vient défier Dieu. Sa vidéo, elle est fou. On l'a mis dans chaîne. Elle a mis dans chaîne. Et je lui dis, ah Dieu, c'est Dieu qui va défier. Toi. Donc on l'a envoyé. On l'a cassé. On l'a détruit. Notre ministère. Le ministère là. Plus tu attaques ça, plus Dieu se glorifie. Ah, nous savons où sommes quittés. Demandons aux gens. Ça là, je me suis retrouvé à la gendarmerie pour rien. D'abord, ils ont fait des sorcelleries. Les gendarmes qui m'ont pris la maison sont convertis. Ils cherchent pour faire. Tu peux me dire ça? On cherche à te voir. Hein? La confusion. Un problème de sorcellerie, je suis venu séparer, être arbitre. Vous ne mangez pas le type. C'est mon nom, ils ont pris dans la gendarmerie. C'est quitté, la lettre est quittée directement ici à la justice. C'est-à-dire, moi, on me prend et on envoie. Mais on écoute quelqu'un, ce procès verbal. Donc, quand le gars m'a écouté, le gars m'a dit, qui je passe à délivrance. On dit, prophète, va à la maison. Mais franchement, on ne sait même pas pourquoi on doit à la maison. C'est qui a vécu ici? Même le préfet. On était le premier à chasser dans la région. On est mes camarades de bonheur. Amen. Quand on a chassé des arogos, ils sont sûrs à manger 10 personnes. Mon histoire. J'étais le village où il y a été terrible. En 2 mois, ils ont rempli un cimetière. Ah, renseignez-vous. Les gens nous voient qu'on s'en parle, qu'on a une histoire. Le voici, le monsieur qui est derrière là. Où est-ce? Tu étais là quand on commençait Zaroko. Tu étais là. Le voici, il était là quand on commençait Zaroko. C'est qu'on a vécu là-bas, les attaques. Les attaques. La haute sorcellerie. Pour pénétrer la région ici, là. La haute sorcellerie. On n'a plus de maîtriser. Amen. On les a maîtrisés. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Que je vais disparaître. Ils rencontrent des choses. Mais je suis là. Amen. Moi je suis là. Amen. Et Jésus. Amen. Il faut que nos villages se développent. Franchement, il faut que nos villages se développent. Il y aura dit, vos histoires là, c'est ça en vent. Ça c'est en vent. Nous sommes à l'aide de Jésus. C'est le temps de Dieu. Amen. Laissez les gens vivre leur vie. Amen. Franchement, si vous voulez manger, bon, vous ne voulez pas faire l'élevage, vous-même donnez-vous, vous mangez entre vous mettez les aussi. Mais laissez les gens vivre leur vie. Franchement, ils sont innocents et puis ils ne les embêtez pas. C'est de comment qu'on a mené ici. On a sauvé beaucoup de cas ici dans la région aussi. Beaucoup de cas ont été sauvés. Beaucoup. Notre histoire. Comment on démarre? Comment on... Il y a longtemps, vous n'avez pas encore vu le prophète travailler dans le village. À cause du fait qu'on tente de faire soi divo, on va répondre aux activités. Si vous voulez qu'on vise au village, si sorcier vous amène dans vos villages. Je suis le totem. De toute façon, il y a moustique t'amène dans la maison, puis tu achètes barigol. Je suis le barigol. Je le dis avec conviction. On va aller dans le village tout récemment, dans d'ici 2 semaines. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Quand je rentre dans le village, j'ai une nuit pour les maîtriser. Le matin, ils viennent. Eux-mêmes, ils confessent. Amen. C'est un don. Voilà. Alléluia. Amen. Quand vous avez Jésus, aucun sorcier ne pourra contre vous. Amen. Personne. Aucun sorcier. Tu as un fétiche pour les César. Mais tu dois trouver plus fétiche, plus fort que ça. Amen. Tu as un fétiche pour te protéger. Celui qui peut protéger là, c'est Jésus. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Tu as quelqu'un accepte Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avaient donné rendez-vous la semaine dernière. Je vous prends demain. Demain, on aura l'occasion de discuter dans le programme vous concernant. On va essayer de boucler ça demain par la grâce de Dieu. Amen. Vous voulez soyez fortifiés. Amen. Ceux qui veulent des bains, juste derrière, juste après la prière, que le Seigneur bénisse. En même temps, j'annonce aussi bientôt, on aura très bientôt l'ouverture de notre orphelinat. Nous avons pensé à ça, nous allons ouvrir bientôt notre orphelinat d'ici quelques temps. Parce que nous sommes confrontés à des personnes orphelins. Constamment, les gens sont orphelins. Donc, le ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Nous aidons les orphelins. Il y a des gens qui sont orphelins de la sorcellerie. Papa et moi, comme moi, moi-même, je suis orphelin de père et de mère. Très jeune, j'ai été orphelin de père et mère. Je sais ce qu'on appelle être orphelin. Je sais ça. Voilà, donc. Dieu m'a mis à cœur. C'est un projet qui date maintenant de 3 ans. Nous sommes en train de concrétiser parce qu'on a déjà tout fini. Ceux qui veulent nous soutenir, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Nous voulons construire une église ici de 4000 places. Si vous voulez, ne nous donnez pas l'argent. Nous voulons vous donner, donnez-nous l'école, donnez-nous le temps, donnez-nous le ciment, donnez-nous les choses, le matériel. Moi, je préfère plus le matériel. Si vous voulez, comme ça, nous allons construire rapidement et puis nous allons modifier ici. Amen. Amen. Allez, nous sommes à Divo.
pour développer la région. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Ici aussi, quand vous voulez aider, c'est-à-dire au centre, au niveau du bureau, il y a ce qu'on appelle des fiches de soutien. Si vous voulez, vous prenez les fiches de soutien et vous vous dites c'est combien vous devez aider par mois. Voilà, vous laissez vos comptes, le montant, tout ça. Soyez fortifiés. On se tient debout.